Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Un oracle que j'attendais avec impatience, j'avais déjà vu, on voit en précommande maintenant quelques mois à l'avance les oracles qui vont sortir. Et celui-ci, quand je l'avais vu sortir sur les animaux, forcément il avait attiré mon regard. Et je l'ai reçu des éditions Vega, du coup il y a avant-hier. Enfin, vendredi plutôt, et je suis trop contente. Il s'agit de l'oracle des esprits alliés animaux de Corinne Mystery, donc aux éditions Vega, chez Très Daniel. Hein. Je remercie Isabelle qui me l'a envoyé, et c'est un oracle qui est vraiment basé du coup sur le chamanisme, les animaux dans le chamanisme. Déjà, j'adore la boîte, l'illustration, avec... Je ne sais pas si c'est un bison, je dirais plutôt un buffle ou un gnou ou quelque chose comme ça. Je ne dirais pas un bison, mais je la trouve magnifique. Voilà, j'adore les tons de couleur. Voilà, donc c'est une belle boîte en dur. Hein. Donc, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Les esprits alliés animaux, dimension spirituelle de chaque espèce. Mais que bourdonne l'abeille à votre oreille lorsqu'elle vous effleure en passant? Quel message vous adresse la vache lorsque vous croisez son doux regard? Quel est l'enseignement du kangourou ou la médecine du lion? De quelle sagesse sont porteurs l'aigle, le bison ou encore le loup? De l'insecte aux mammifères, animaux de nos campagnes et des cinq continents, êtres volants, rampants, nageants, à deux ou à quatre pattes, réels ou légendaires, ce ne sont pas moins de 103 esprits alliés animaux qui s'adressent à vous dans cet oracle chamanique. Ils vous délivreront de manière simple, directe et pertinente leur message à la première personne du singulier, car c'est votre âme qui vous parle. Donc ce coffret contient 103 cartes divinatoires, un livre d'accompagnement de 144 pages et un sac en coton pour protéger vos cartes. Et il est au prix de 28 euros. Et comme d'habitude, on le trouve partout, Amazon, la Fnac, sûrement chez Cultura aussi, etc. Donc voilà pour cette jolie boîte. Hein, dedans, c'est dans les tons un peu orangés. Il fait vraiment automne, je trouve, aussi. Donc on a le guidebook. On a ce magnifique pochon en coton. J'adore ces pochons-là. Ils sont trop chouettes. Avec les cartes qui sont séparées en deux paquets. Bon, ça, c'est toujours moins facile à ranger. Mais bon, ma foi. Voilà. Et l'intérieur est comme ceci. Du coup, on va d'abord... Ben, regardez le guidebook, évidemment. Il est tout beau, hein. Voilà, sur du papier en couleur. Hein. Il est en couleur. Non, il n'y a pas spécialement de couleur, mais voilà. Donc ici, oracle des esprits alliés. Et on reconnaît ici, ça fait penser un petit peu à des dessins de peinture rupestre dans les cavernes. Voilà. Donc, on a évidemment le sommaire avec une introduction. Les différents esprits alliés animaux, apprendre à connaître nos esprits alliés animaux, comment les rencontrer un esprit allié animal et comment communiquer avec lui. Puis on a comment utiliser l'oracle forcément et puis on a les cartes, 108 cartes, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'animaux qu'il y a. Du coup par ordre alphabétique et puis un petit à propos de l'auteur. Alors on a une introduction hein, où elle va nous parler un petit peu... de ce qu'est le chamanisme, voilà. Les esprits alliés animaux sont ce qu'on appelle des totems. Ils représentent tous les esprits animaux dans leur dimension spirituelle propre à chaque espèce. En effet, il ne s'agit pas d'animaux en particulier, d'individus distincts, morts, et dont l'esprit continuerait à avoir une fonction auprès d'un être humain précis. Il s'agit de son espèce en entier. Un totem est la forme donnée à une force. Alors ici, le totem personnifie une force naturelle. Bon, elle vous explique tout bien. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et comme ce qui est à l'intérieur. Non, tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais y arriver. Donc là, elle vous explique vraiment ce que sont les esprits hein, alliés. Ici, elle va nous parler des différents esprits alliés qui sont nombre de 3. Il y a le monde du milieu, c'est le monde dans lequel nous vivons, il est physique, matériel, tangible, mais il comprend aussi une dimension spirituelle, puisque nous l'avons déjà vu, nous sommes des esprits incarnés et que tout ce qui vit possède un esprit. Dans le monde du milieu, le visible et l'invisible se côtoient constamment.
Puis après, on a en deuxième le monde d'en haut. C'est le monde où vivent tous les guides spirituels ainsi que les défunts et les ancêtres. Et le monde d'en bas est le monde où vivent les esprits alliés animaux. Voilà. Alors, parmi tous les esprits alliés animaux, il en existe un qui tient de place d'honneur, c'est l'animal de pouvoir. Donc ici, elle va vous expliquer c'est quoi l'animal de pouvoir. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon, on en a pour un moment. Le totem animal de la naissance, ça, j'ai trouvé ça très chouette aussi pour savoir quel animal vous a accompagné par rapport à votre signe astrologique. Donc, j'ai été voir, par exemple, pour la Vierge, c'est l'ours brun qui appartient au clan de la Terre. Il représente le réalisme, la sagesse, l'introspection, la ténacité malgré une grande réserve. C'est assez juste, hein. Alors, tous les esprits animaux aidants, ça c'est ceux du coup qui vont aider. Comment apprendre à connaître nos esprits alliés animaux? Ici, elle va vous expliquer. Hein. On peut le faire soit pendant un voyage ou en tirant une carte aussi. Comment rencontrer son animal et comment communiquer avec lui? Voilà, ici, il y a plusieurs façons de le faire. Elle explique, en premier, évidemment, il y a le voyage chamanique. Mais on peut aussi se connecter spirituellement avec eux, avec nos rêves, éveillés ou endormis. De la sensibilité aux signes, des synchronicités, des coïncidences, des visions aussi qu'on peut avoir, etc. Ou enfin, on peut consulter l'oracle à travers les présentes cartes divinatoires. Et c'est aussi un moyen de se relier aux esprits. Voilà, donc dans ce coffret, ce sont 103 esprits alliés animaux qui sont là, présents pour vous et tout prêts et disposés à courir, à ramper, nager ou à voler à votre secours. Voilà. Bon, ici, elle vous dit, hein, pour communiquer avec les esprits, c'est très simple. Il suffit de se centrer, d'ouvrir son cœur et son âme d'enfant, de formuler une question ou un problème de façon la plus simple possible et directe. Voilà, et ensuite, on laisse venir la réponse. Voilà. Alors, après, elle vous explique comment utiliser le jeu. En message guidé, par exemple, quelques suggestions. Par exemple, tirer une carte le matin pour connaître l'énergie présente dans vos rêves et éventuellement pour vous aider à vous en souvenir et à les comprendre. Ou alors, tirer une carte le matin au petit déjeuner pour connaître la tonalité de la journée. Recevoir un message conseil de mise en garde, de guidance, etc. Tirer une carte pour quelqu'un d'autre, faire un tirage complet, etc. Oui, il y a plusieurs. Connaître la médecine des animaux aussi, ici par exemple. Il y a plusieurs choix. Et puis on passe aux cartes qui sont par ordre alphabétique. Vous avez à chaque fois son nom, le mot-clé, la petite phrase et ici aussi un genre de petit mantra. Et vous avez ça du coup pour tous. Et je le trouve franchement très parlant, moi. Voilà, voilà, voilà. Donc, un petit à propos de l'auteur. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le guidebook. Maintenant, on va regarder les cartes. Je vous avoue que j'ai défait qu'un paquet. Parce que je me suis dit que si je défaisais les deux, j'allais avoir du mal à, du coup, les remettre dedans. Donc, regardez-moi le paquet qu'on a de cartes, comme il est énorme. Franchement, il est super épais. Oui, forcément, il y a beaucoup de cartes. Je vais attraper une carte de tarot pour vous montrer. On est sur un format, on dirait, peut-être un peu plus large, mais en hauteur, j'ai l'impression qu'on est sur un format, quasi. Elles sont un tout petit peu plus hautes, mais un peu plus larges qu'un tarot classique. Voilà. Zou ! Celui-là, je vais le remettre là. Voilà. Donc, le dos, il est comme ceci. On retrouve cette magnifique illustration qui est sur la boîte. Et il n'y a pas d'image. Mais franchement, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que vu le nombre de cartes, les messages, je les trouve très, très chouettes aussi. Et c'est vraiment une carte que je vais tirer, moi, pour mettre sur mon hôtel dans le porte-cartes, là, et pour méditer avec. Ou en fin de tirage, pour compléter. Évidemment, avec l'image de l'animal, il aurait peut-être été encore mieux, mais moi, je le trouve déjà pas mal. Donc, on va les regarder ensemble. Hein. On a l'abeille, l'aigle, comme ça, vous avez une idée de tous les animaux. Hein. L'âne, par exemple, l'oubli du petit moi. Le moi supérieur n'a pas d'ego. L'antilope, il y a tellement d'animaux. L'araignée, je suis maître de mon destin. Ma créativité m'apporte abondance et joie. J'aime bien ce fond rupestre derrière aussi et les tons de couleur. L'autruche, la baleine, j'entends l'appel, j'ai besoin de vivre un rite initiatique de passage. La belette,
La biche. Le bison. Le bison blanc. Le blaireau. Je cesse de me soumettre. Je suis déterminée à me libérer de mes chaînes. Comme on a eu dans la guidance, apprendre à dire non. Le bourdon, j'aime bien. Je porte un autre regard sur mon travail. Je suis riche. Le canard. Le cardinal. Le castor. Le travail, c'est la santé. Je m'épanouis en travaillant. Ouais, c'est le castor, il n'arrête pas. Hein. Le cerf. Je porte bonheur. Le chameau. Je peux compter sur moi. Le chat. Je retombe toujours sur mes pieds. Et je sais bien des choses que les autres ignorent. La chauve-souris, j'accepte ma destinée. Le cheval, mon pouvoir personnel. Cheval ailé, je suis inspirée. Le chevreuil, l'esprit de groupe. Le chien, l'amitié. Évidemment, j'ai besoin de vos conseils. Donc ici, ça se dira, peut-être qu'il faut demander conseil à ses amis. La chouette, je suis ce que je crée. La cigale, je m'extravertis. La cigogne, je prends soin de ma famille. La coccinelle, la bête à bon Dieu, le message divin. Le cochon, je partage mes trésors. Le corbeau, j'écoute les messages. Le cormoran, je vais au fond des choses. Le coucou gris, je me protège. Je vais les remettre un peu comme ça parce que le paquet est tellement énorme. Le coyote, c'est la carte joker. Coyote me rappelle que tout est illusion et qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. La vie est une blague. Je l'aime bien celle-là. Le crocodile, je suis en bonne santé. Le cygne, j'ai le sens de l'accueil. Je suis bienveillant avec le daim. Et je vous ai dit, mais la qualité, elle est top, hein. Et elles ont un fini légèrement glossy, plutôt mat. C'est un chouette fini. Le dauphin, je suis plein de vitalité, je suis plein de joie. Oui, forcément, c'est un animal très joyeux. Hein. Le dindon sauvage, je suis altruiste. Altruiste. Le dragon, il faut parfois utiliser les grands moyens. Je porte les quatre éléments en moi. Il me relie aux quatre gardiens de l'univers. Je suis puissant. L'écureuil, un de perdu, 10 de retrouvé. J'aime bien. L'élan, je suis remarquable. L'éléphant, je survis aux épreuves. Ma puissance a encore de beaux jours devant elle. J'aime vraiment bien les petites phrases. Escargot, où suis-je lorsque l'on ne me voit pas? Le faisan, je sors du tunnel. Le faucon, j'ai plein d'énergie. Le flamant rose, il ne faut pas tout attendre des autres. Je prends soin de moi. Ouais, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La fourmi, je me mets au travail. Le gecko, je n'ai pas peur de qui je suis. La girafe, je suis éveillée. Le goéland, j'ai soif de liberté. La grenouille, je suis une belle personne. Le guépard, humblement noble. Le hérisson, je cesse d'avoir peur, je suis bien protégée. Ah oui, avec toutes ces épines. Le hibou, je fais confiance à mes ressentis. L'hippocampe, je suis intègre. L'hippopotame, je suis fertile, je sens la pulsion de vie. Le kangourou, je porte la vie. Le koala, je rêve. Jaguar, féminin sacré et masculin sauvage. Le lapin, ce que je crains, je le crée. Le lézard, l'art de rêver. La libellule, et si tout n'était qu'illusion, je m'autorise à changer avec joie. Ouais, et la libellule, c'est souvent la carte de la transformation en plus, hein. La licorne, je suis bien protégée. Je peux dormir sur mes deux oreilles. Un rayon sacré d'or et de lumière est posé sur moi. La limace, je m'adapte. Le lion, estime de soi. Le loup, fait de l'instinct. Non, j'ai de l'instinct.
C'est grâce à mon hypersensibilité que je suis un bon guide pour moi et pour les autres. Ah ouh, j'aime bien le petit note d'humour là. La loutre, le bonheur des autres fait mon propre bonheur. Les autres m'aiment pour ce que je suis. Il a vraiment des jolis messages. Le lynx, pas de messe basse sans cuvée, non, curé. Alors là, sans curé, je dirais. J'ai un peu de mal à lire parfois la police. La mésange, j'ouvre mon esprit. Milan, le roi de moi. Je ne sais pas ce que c'est un Milan comme animal. Le mouton, vive l'anticonformisme. Chacun est responsable de ses opinions et personne ne doit se sacrifier au nom du groupe. Très juste. Le nid, je déménage. Loi sauvage, à plusieurs, on est plus fort. L'oiseau tonnerre, j'apprends à dire merci. L'ours, j'entre en silence. Le panda, je me demandais justement si on allait avoir le panda. Je prends soin de moi, je porte le monde entier dans mon cœur. La panthère noire, je suis mystique. Le paon, je regarde la réalité en face sans filtre. Le papillon, je fais le point sur ma vie. Le phénix, je suis unique, je suis indestructible. Le phoque, je travaille sur moi. La pie, on a parfois besoin d'un plus petit que soi. J'œuvre pour la vérité en toute humilité. Je garde les pieds sur terre. C'est joli aussi ça. Le pivert, ma maison est mon cocon. La poule, je suis un bon parent. Le puma, je dirige, qui m'aime me suivent. Le raton laveur, j'ai l'âme d'un justicier tel Zorro, j'agis masqué car je ne recherche pas les louanges. C'est joli aussi ça. Le renard, à l'abri des regards, ou l'art du camouflage. Je me demandais s'il y serait le requin, mais il y est. J'arrête de me laisser polluer, je fais confiance à mon instinct. La salamandre, je suis mes aspirations. J'ai été patient dans ma quête et j'ai fini par trouver. Le sanglier en avant-toute. Le saumon, je me remets en question. La sauterelle, je vais me ressourcer dans la nature. Le serpent, je me pardonne. Le singe, je dédramatise. Le rire est le grand remède contre bien des maux. Encore le rire. La souris, simplicité et présence. La taupe, j'ai foi en l'amour. Le tigre, je prends le temps de la réflexion. La tortue, je suis mon propre rythme. Le toucan, j'ai du charisme. La tourterelle, je reçois un message d'espoir. La vache, je mérite l'abondance. Le vautour, je fais le deuil, forcément, et le ver luisant, la magie de l'enfance. Voilà, comme ça, vous savez tous les animaux qu'il y a dedans. C'est vraiment un gros paquet. Je pense qu'on va en tirer trois. On va faire la labradorite, pour ceux qui veulent choisir la labradorite. On va mettre l'améthyste ici, et on va attraper le quartrose ici. Voilà. Et on va en tirer trois. Et je vous lirai le message du coup du guidebook, comme il n'y a pas grand-chose dans le guidebook, ma foi. Comme ça, vous verrez un petit peu les messages qu'il peut délivrer. Donc, choisissez une des trois pierres pendant que j'essaye de les mélanger. Parce que je vous avoue qu'il est tellement gros que j'ai bien peur de tout envoyer valser. Franchement, j'aime beaucoup, moi, les petits messages. Et je le trouve très chouette pour finir un tirage ou pour savoir quel animal va nous accompagner ou le petit message du jour. L'énergie du jour, le conseil. Oula! Bon, la première, elle a valsé toute seule. Et les cartes, ma parole, ont l'air d'avoir ces... Ouais, elles chantent. Elles ont cette texture qui chante. Je crois que j'ai jamais, rarement eu un si gros paquet de cartes en main. Et je suis amoureuse de ce dos, moi. Voilà. Et même s'il n'y a pas d'image, ben ça ne me gêne pas plus que ça parce qu'il y a tellement de cartes que ouais, je trouve ça vraiment chouette. Bon, ouais, si, il s'étale bien aussi, ma parole. J'ai pensé qu'il allait mal s'étaler, mais non, il s'étale très bien. Donc, pour l'améthyste, et on va prendre celle-ci, hop, pour le quartz. Par contre, pour les ranger après, j'aime pas trop, moi, qu'il faut faire deux paquets. Mais je crois que je vais le laisser dans son pochon
hors de la boîte, ce sera peut-être plus simple. Donc, on va commencer ici, du coup, par l'âne. L'oubli du petit moi. Le moi supérieur n'a pas d'ego. Du coup, on va regarder ici dans le livre. Quelle libération, parfois, de descendre de son piédestal et de revêtir sa peau d'âne, symbole d'humilité. Le nec plus ultra, c'est d'aider les autres à briller et à s'élever, socialement ou spirituellement, en s'effaçant et en se mettant simplement au service d'eux avec modestie et amour. Le moi supérieur n'a pas d'ego. Mais ici, je dirais, on vous conseillerait de venir en aide aux autres sans rien attendre en retour, sans rien demander, juste comme ça, pour faire plaisir, par amour, voilà. D'aider les autres, tout simplement, à s'élever, à briller, à les mettre en lumière. Voilà, pour ceux qui ont choisi l'âne. J'avoue qu'avec le message qu'il y a ici dans le livre, ça parle parfois plus, ça dépend de la carte. Il y a des fois ici, par exemple, le moi supérieur n'a pas d'ego, ça m'aurait moins parlé, mais par contre, avec le livret, ça me parle beaucoup plus. Alors, ceux qui ont choisi la métisse, l'autruche, je renonce à me battre. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Je regarde au-dedans pour changer ma réalité. Voilà. En fait, ça, c'est le petit message qu'on retrouve ici et la petite phrase là, en fait. Et ça, c'est le texte en plus. Bon, je vais vous lire ça, du coup, vu que le reste, on vient de le voir. Fuir est l'une des deux stratégies possibles face au danger. Il n'y a pas de honte à le faire. On ne peut pas toujours être dans l'affrontement. Ne pas répondre à son adversaire et s'introspecter au lieu d'agresser est une autre stratégie. Mais je vous dis souvent, comme ne pas faire l'autruche, vous savez, l'autruche, elle met sa tête dans le sol et elle attend que ça passe. Ben, ici, on a l'air de vous conseiller... qu'en cas de conflit, on répond aux imbéciles par le silence. Au lieu de chercher l'affrontement et de répondre, ne répondez pas à la personne qui pourrait vous agresser. Et ce sera encore mieux et ça apaisera peut-être mieux les tensions. Voilà. Vous voyez, il est bien parlant. Donc, si dans la journée, je ne sais pas moi, quelqu'un vous cherche misère, on vous conseille ici de faire l'autruche. Mettez votre tête dans le... Enfin, mettez pas votre tête dans le sol au sens propre, mais vous avez compris, faites comme elle. Ne répondez pas, mettez vos œillères et faites comme si vous n'avez rien entendu et ignorez la personne. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on a le hérisson. Je cesse d'avoir peur, je suis bien protégée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je réalise que la peur n'est pas toujours sage conseillère. Surtout maintenant que j'ai mis en place dans ma vie tout un tas de stratégies et de précautions spécifiques pour me sentir suffisamment en paix. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai réussi à survivre à toutes les épreuves. Ben voilà, essayez d'éviter d'avoir peur, des angoisses. Vous avez certainement mis en place des barrières, des systèmes de protection pour vous protéger. Un peu comme l'hérisson, quand il a peur, hop, il se met en boule, il a ses épines pour se protéger. Eh bien, ici, dites-vous que vous êtes protégé. Essayez de pas avoir peur. On peut avoir des angoisses de tout, peur de plein de choses. Mais essayez, dites-vous que vous avez réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui à toutes les épreuves que vous avez déjà affrontées. Et il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à surmonter les autres. Voilà. Donc, vous voyez, franchement, les petits messages pour des tirages, par exemple, d'une journée ou pour savoir quel animal va vous accompagner. Moi, je trouve qu'il est très, très chouette. J'aime beaucoup les messages qui délivrent avec le guidebook. Voilà. Du coup, on a combien maintenant? Je ne sais plus si c'est 103 ou 108 cartes. Non, 103 cartes. Ça fait un beau bébé, J'adore le dos. Je le trouve simple, il y a beaucoup d'animaux représentés, j'adore l'illustration de la boîte aussi, franchement. Enfin, franchement, je l'aime vraiment beaucoup, voilà. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je vais y arriver, si vous le trouvez chouette aussi, si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas parce qu'il n'y a pas d'illustration, pourquoi pas. Si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter. Plein de bisous !